sur une autre planète ou quoi? Tout ce que je vois, c'est de la pluie écossaise. Oui, mais la pluie écossaise est idéale pour admirer les vastes landes écossaises. Les quoi? Les landes, de célèbres paysages de collines couvertes de bruyères d'où émane une atmosphère inquiétante. Et on peut randonner tout droit jusqu'à Sgorthwaite. À tes souhaits. Tu vois, la pluie te fait déjà éternuer. On ferait mieux de rester à l'intérieur, c'est trop dommage. Sgorthwaite est un pic légendaire avec une vue imprenable. Pourquoi on n'explore pas plutôt les villes et les villages? Je veux voir s'il y a des figurines internationales des sumo massacreurs. Les sumo massacreurs? Il y a vraiment qu'à ça que tu penses? Non. Non. Allez, c'est parti pour la balade. Oh, quoi? Attends un peu, t'as ouvert un parapluie à l'intérieur? Tu sais que ça porte malheur. C'est presque certain qu'il se passera un truc grave aujourd'hui. C'est trop dommage. Pourtant, j'avais tellement hâte de randonner des kilomètres sous la pluie. Mais heureusement, il y a encore des choses à voir en retournant vers la civilisation. Oh, s'il te plaît, Ben, sortir de ta zone de confort est un petit prix à payer pour découvrir des merveilles naturelles comme celle-ci. Mais j'adore ma zone de confort. Alors, amuse-toi bien tout seul, mais je te conseille de bien ouvrir l'œil. Sgorthwaite n'est pas la seule chose célèbre de la lande. De quoi tu parles? Eh bien, il y a aussi les fameux kelpies qui changent de forme. Et Urn, le chasseur fantôme. Et Black Chuck, le spectre du chien noir. Allez, à plus! Des kelpies? Urn, le chasseur fantôme? Black Chuck? D'autres personnes ont l'air ravies de se balader ici. À croire que personne ne résiste à la magie de Sgorthwaite. Non, Sgorthwaite. Sgorthwaite. C'est un peu mieux. Ma montre a l'air de faire des trucs bizarres. Encore un nouvel avantage du temps radieux qu'il fait en Écosse. Et alors, oublie un peu ta montre et essaie de profiter du magnifique décor. Le magnifique décor? Mais on voit rien à 2 mètres. Le brouillard pourrait pas être plus épais, c'est atroce. Ouais, génial, une tonne d'herbe, c'est pas un truc qu'on voit tous les jours. Un loch magnifique et scintillant. On dirait juste une grande mare. Oh, regarde Ben, un champ de bataille historique. Bon, maintenant ça suffit, c'est quoi l'intérêt de regarder des paysages si on peut même pas les voir? Tout est recouvert de brouillard. Peut-être, mais du brouillard écossais. Ce n'est pas faux, Gwen, le temps a l'air d'empirer. Ben a peut-être raison, on devrait rentrer. Tout ira très bien, grand-père. Oh. Ce serait pas le monstre brouillard? Le brouillard! Ok, comment je le bats celui-là déjà? C'est comme la dernière fois! Je me rappelle pas! Attendez, d'accord, face de brume, on va voir comment tu réagis face à Lancelot! Allez, allez! Oh, c'est pas vrai, où tu es, Lancelot? Ben, attention! J'ai eu assez d'émotions fortes pour aujourd'hui. T'as une idée, Ben? Eh ben, la dernière fois, j'ai utilisé Lancelot, mais apparemment, c'est plus possible. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il nous a suivis en Écosse? Il va falloir qu'on trouve quelque chose. Cette espèce de nuage n'a pas intérêt à toucher à mon hélico. Attendez une minute. Si j'en crois ma carte, il y a une grotte. Ah, c'est génial, Gwen. Je veux dire, une grotte où on pourrait se cacher. C'est à 800 mètres, droit devant. Il faut juste arriver à y aller. Tu trouves quelque chose, Ben? J'essaie, mais il n'y a rien que je puisse... Oh, Énormosaure! Énormosaure? Tu viens juste de l'inventer? C'est une petite fille qui a trouvé le nom. Je le trouve trop top et il va nous sauver la vie! Je ne fais que lui passer au travers. C'était quoi ça? J'ai l'impression que sa queue a produit une secousse sonique. Allez vite, montez!